Non mais regardez-moi cette merveille. Mais c'est qui cette beauté? Non mais cette beauté d'amour. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de ce chat? De ce magnifique lion, lion noir. Ce deuxième petit chat. Oh oui, qui demande toujours des papouilles, qui se demande toujours ce qu'elle fait maman en train de filmer. Moi aussi je veux passer à la caméra. Oh oui, petit mignon. Aujourd'hui dans un nouveau vlog, donc je m'apprête à emmener ma petite Fiat à changer en fait la courroie de distribution puisque tous les 5 ans il faut la faire changer pour éviter de péter le moteur. Donc ça m'embête puisque c'était pas prévu encore une fois de plus au budget, n'est-ce pas? Voilà, c'est des choses un petit peu inattendues. Il faut que je laisse la voiture à 9h30, 10h, il est déjà 9h05, donc là je vais partir tout simplement. Et aujourd'hui j'ai des petits cadeaux puisque tout simplement c'est l'anniversaire de ma maman. Elle a 53 ans aujourd'hui et du coup elle vient me récupérer puisque comme je laisse la voiture toute la journée, il faut bien en fait qu'elle me raccompagne en fait tout simplement chez moi et en même temps bah, je vais lui donner ses petits cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai été faire un tour à Intersport et à Habitat, c'est juste absolument magnifique. Chimoumoun ça y est qui s'intéresse aux cadeaux. Écoutez, on y va parce que là sinon je vais être en retard. Bon ça y est, je suis bien arrivée, je vais devoir laisser bah, la titine au garage. Ça me fait trop de la peine, elle va trop me manquer parce que je suis perdue quand j'ai pas ma voiture. Vraiment tous les jours j'ai quelque chose à faire, tous les jours je suis obligée de prendre ma voiture pour sortir. Mais bon c'est pas grave, je vais venir la récupérer ce soir. Et cette lumière m'énerve, là on dirait que je brille de tous les côtés. Le cadran de ma Fiat de mon volant qui brille en fait puisqu'il est en aluminium et du coup ça reflète sur mon visage et je commence à avoir mal à la gorge. Super super. Je vais leur laisser la clé et j'espère qu'elle sera entre de bonnes mains. C'est à qui ça? C'est à qui ça Fifi? C'est à qui ça? 1, 2, 3. Mais oui, mon bébé, que t'es beau. Eden. Hey, Fifi, lâche. Lâche. Oh, une grosse dent. Allez. Fifi. Oh, Titi. Il est plus gros que toi, le truc. Mes amours, je suis rentrée, donc ma mère m'a raccompagnée, je lui ai offert ses cadeaux, elle était trop contente, bah du coup j'ai oublié de filmer, j'ai juste filmé petit Filou puisqu'il était trop gentil, là je viens de retrouver mes bébés chats d'amour à moi. Et du coup j'ai été chercher un colis en même temps à la poste, il faut que je récupère ma voiture à partir de 14h30 je crois, ils m'ont dit qu'elle était disponible, par contre je suis dégoûtée. En plus de la courroie de distribution, la pompe à eau, ils ont vérifié mes pneus et mes deux pneus avant apparemment faut les changer. Ils vont tout simplement en fait me faire un devis et voilà, j'espère que ça sera pas trop cher parce que déjà la courroie de distribution il y en a pour 560 €, heureusement j'avais un coupon de moins de 30% parce que je vous dis pas quoi, c'est hors de prix mais bon on est obligé de le faire à partir des 5 ans comme je vous le disais. J'ai reçu un colis mais comme je suis méga contente parce que en plus moi je les ai reçus mais je vais pouvoir tenter de vous les faire remporter sur Instagram et ça c'est le bon plan, donc je remercie infiniment Garnier pour ce colis puisque j'ai pu recevoir deux nouvelles gammes de chez eux, deux nouvelles senteurs et oh mon dieu, mais alors là les odeurs vraiment je suis tombée en amour pour les deux avec un gros coup de cœur pour celle-ci. Donc je vais commencer par ma chouchoute, ma number one. C'est le shampoing réparation intense à l'érable guérisseur pour les cheveux très abîmés. C'est toujours sans parabènes et c'est des extraits naturels. Donc voilà comment se présente le nouveau flacon. Il est juste magnifique avec la feuille d'érable comme ça. C'est trop beau. Mais l'odeur, j'ai jamais senti une odeur comme ça. Franchement, c'est indescriptible. Donc pour celles qui vont avoir la chance de les gagner, franchement, vous allez être trop contente. L'odeur, c'est dingue. En plus du shampoing, donc celle qui va pouvoir tenter de gagner le shampoing va aussi pouvoir tenter de remporter l'après-shampoing. Donc ça, c'est juste top. Donc je vais vous lancer le concours sûrement après ce vlog, hein, je vais attendre de le mettre en ligne quand même. Mais trop contente, c'est nouveau, les nouvelles senteurs et c'est une tuerie, ça sent trop bon. Moi je les ai pas encore testés mais ça sera très très vite fait à mon avis. Je pense dès ce soir je vais l'utiliser. Et la deuxième gamme, donc ça c'était pour les cheveux très abîmés. Donc moi ça j'adore puisque tout simplement j'ai des pointes très très sèches avec mes colorations, décolorations et tout ça. Mais en plus, alors ça j'avais jamais vu. Dites-moi si vous, vous connaissez des shampoings comme ça. Mais la nouvelle gamme en fait de chez Garnier également, Fructis, c'est l'Hydra Pure Coconut Water, shampoing fortifiant, purifie et hydrate avec des agents purifiants à l'eau de coco. Donc ça c'est juste très très bon parce qu'il y en a beaucoup qui achètent de l'eau de coco, de lait de coco, tout ça pour faire des masques et tout ça à leurs cheveux. C'est vraiment quelque chose de conseillé et c'est sans silicone celui-ci, sans parabène. Mais en plus de ça,
bas, donc c'est fait exprès pour les racines grasses et les pointes sèches. Et c'est la première fois que je vois ça parce que ça c'est exactement mon type de cheveux. C'est-à-dire que j'ai souvent les racines grasses, hein, au bout de 2 jours c'est déjà gras. Limite moi il faudrait que je les lave tous les jours, mais c'est vraiment pas conseillé. Donc quand je travaille j'essaye vraiment d'espacer mes shampoings. J'utilise beaucoup beaucoup de shampoings secs, sinon c'est juste impossible quoi, c'est trop moche quoi. Et du coup je ne trouvais jamais, puisque j'ai les pointes très abîmées, très sèches, mais toujours les racines grasses, et je ne trouvais jamais un shampoing et après shampoing qui font ça. C'est la première fois que je vois ça, donc dites-moi si vous vous connaissez dans d'autres marques ou non les shampoings pour racines grasses mais en même temps les pointes sèches. Et en plus de ça, franchement l'odeur pareil, c'est à tomber. Mais alors par contre, autant vous dire de suite, ils disent que c'est avec coconut water, mais moi je sens pas du tout la coco. Non, et c'est une odeur qui me parle, qui est familière, mais je ne saurais vous dire ce que c'est. Ça va me revenir ça dans pas longtemps, j'en suis sûre. À quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une pomme acidulée. Je sais pas si c'est dans les bonbons, mais ça c'est quelque chose que j'ai déjà mangé. Ça me fait penser un peu aux bonbons harlequins et en même temps aux bonbons verts à la pomme. Mais je sais plus comment ils s'appellent, ces gros dragées là, c'est trop bon, il y en a de toutes les couleurs. Pas les dragibus hein, mais c'est autre chose. Mais en tout cas ouais, ça sent ça, ça sent pas la coco. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Franchement les deux nouvelles odeurs c'est une pure tuerie. Donc franchement j'ai trop hâte de les tester. Et en plus de ça donc on remercie tous et toutes Garnier de pouvoir vous faire tenter également de remporter ces merveilles. Évidemment il y a aussi l'après-shampoing avec cette gamme-ci. Donc vous allez pouvoir tenter de remporter ces deux-ci et bien entendu la gamme Alera qui sent également super super bon. Donc je suis trop contente pour vous. En attendant puisqu'il est bientôt, j'allais dire il est bientôt midi, mais non il est bientôt 1h. Non, quelle heure est-il? Non, oui il est bientôt midi, il est 11h50. Du coup j'avais envie de vous faire, vous savez à quel point j'adore partager quelques recettes avec vous que je fais, et cette fois-ci je vais vous partager une autre recette. Je sais que vous avez été nombreuses à adorer la recette aux pâtes au fond de veau, parce que vous avez été nombreuses à la reproduire, également le porc au caramel que je vous avais fait une vidéo et tout, vous avez été nombreuses à le faire. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une tarte aux ravioles. Ça c'est une tuerie. Donc en fait je prends une pâte brisée tout simplement. Donc pâte brisée. Je mets un petit peu de moutarde au fond, les ravioles, des fois je mets un petit peu de tomate aussi à l'intérieur, et également de la crème fraîche, et des fois du fromage un petit peu par dessus. Une tuerie. Donc écoutez, let's go. Pendant que je prépare tout ça, on n'oublie pas les petits bébés qui sont toujours ici hein, toujours près de la fenêtre pour être à la guet. Oui mon amour, et mon petit moumoun, tout 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 tout. Donc du coup il n'y a plus qu'à mettre au four et on se retrouve du coup après pour manger tout ça. Je vous dirai si c'est bon, mais normalement oui, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et voilà ce que ça donne, donc ça a l'air plutôt appétissant. Donc écoutez, bon appétit, puisque moi je vais manger, il est presque 1h déjà, donc je commence à avoir faim. Mes amours, ça y est, je suis rentrée, j'ai récupéré ma voiture. Ils ont fait un check-up de la voiture et du coup je dois changer juste mes deux pneus avant. Donc du coup j'ai commandé directement en fait sur Groupon. N'hésitez pas à faire un tour sur Groupon, il y a toujours plein de choses intéressantes. Le garage nous m'avait dit que pour les deux pneus avant, les changer et faire l'équilibre en fait entre les pneus et tout ça, il me prenait 206 euros, et là sur Groupon j'ai payé 120 euros. Donc voilà, avec la bonne taille et tout ce qu'il faut pour ma voiture. Donc du coup j'ai rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 14, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais en tout cas je suis en vacances 20 jours, donc méga méga happy. J'ai accroché mon attrape-rêve que vous avez vu dans mon haul, je suis trop contente, il est trop trop beau. Et du coup je voulais vous dire, oui demain ils ont annoncé de la pluie, bref c'est pas si joyeux que ça, mais là le soleil a l'air de ressortir un peu à travers les nuages, donc je pense que je vais aller un petit peu bronzer après dans le jardin. Je voulais vous montrer le barbecue que j'ai commandé, du coup, que je vous ai dit tout à l'heure chez Carrefour. J'espère qu'ils vont m'appeler quand même et qu'on va en avoir un, parce que des fois ils vous le commandent mais finalement ils en ont plus parce qu'ils sont victimes de leur succès quand ils font des prix. En tout cas celui qu'on veut c'est celui-ci, donc il est en promo à 80 euros, nous ça nous suffit amplement juste pour faire voilà, griller des petites grillades et tout. On l'a trouvé vraiment super sympa, et ce qu'on voulait
absolument. C'était un couvercle, en fait, une cloche, voilà, pour le fermer, pour pas qu'il prenne trop la pluie et tout ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc j'ai hâte de l'avoir. Je vous tiendrai au courant quand on ira le chercher. Mais en tout cas, ils font des trucs vraiment pas mal en ce moment pour le jardin, que ce soit chez Carrefour, Jiffy, tout ça. Jiffy d'ailleurs, il faudra que je vous montre. J'ai craqué pour un gros œuf, un fauteuil, et voilà, j'ai trop hâte. J'ai été chez Primark, rien d'intéressant. J'ai racheté comme d'habitude des chaussettes, mais j'ai pris des chaussettes un petit peu plus fines en fait, comme ça, voilà, pour cet été, pour mettre avec les baskets, avec les pumas que j'ai acheté. Et j'ai acheté également un chargeur pour la voiture en fait, tout simplement, parce que quand j'ai plus de batterie, c'est quand même intéressant de le mettre dans l'allume-cigare pour pouvoir recharger sa batterie de téléphone, et j'en avais pas. Du coup, je voulais vous montrer ma dernière montre que j'ai reçue, donc de la marque Daniel Wellington. C'est tout simplement cette merveille qui est en couleur un petit peu rose dorée, or rose, comme ça elle est complètement sublime. C'est la petite classique qui fait 32 mm de diamètre au niveau de son cadran, et en fait elle est carrément beaucoup plus féminine que les autres, parce que les autres sont carrément beaucoup plus grosses. Que cela trouve discrète, classe, sublime, enfin voilà, elle a vraiment beaucoup de succès. Je la trouve canon, elle brille là pour le printemps été, je trouve que c'est vraiment la bonne couleur, en plus avec le cadran en fond blanc comme ça, j'aime trop. Elle existe également en fond noir il me semble, et en argenté je crois le contour, oui si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et j'ai également un code promo du coup pour vous, qui vous donne droit à 15% sur tout le site avec la livraison et les retours gratuits jusqu'au 15 avril, avec le code tout simplement GIRLYALEX. Pas parce que je les reçois, voilà, que je vous dis qu'elles sont belles, puisque je reçois quasiment presque toutes les semaines une demande de partenariat de montres, et je n'accepte que celles que vraiment je trouve jolies, donc voilà. C'est pas parce que c'est Daniel Wellington et qu'on les voit un petit peu partout en ce moment que je vais vous dire qu'elles sont moches, nanana, alors que c'est pas vrai. Moi je les trouve vraiment super, c'est tout à fait mon style, donc voilà, je les aime énormément. Et c'est en tout cas, si vous avez craqué pour celle-ci, elle sera en barre d'informations avec son lien si vous voulez la commander. Et là mes amours, du coup je vous retrouve, je vous ai quitté avant-hier, et en fait du coup avant-hier soir, donc on a été au cinéma voir Baby Boss, puisque je vous l'avais dit, c'est vraiment super rigolo. Hier on a fait un petit tour, du coup on est retourné chez Primark, il pleuvait en plus, je vous raconte pas, et comme c'était le seul repos que j'avais avec mon copain, ben voilà, j'en ai profité, voilà, pour rester avec lui. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a acheté, ce que lui a trouvé aussi, parce qu'il y a des trucs sympas aussi pour les hommes, hein, et également ce que j'ai trouvé moi, puisque vu que je vous ai fait un haul il y a pas longtemps, j'ai pas forcément envie de vous refaire un haul maintenant, hein. Trop de haul tue les hauls. En gros les sacs donc sont ici, donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord mon copain s'est trouvé ces chaussons, mais trop mignons, un peu style carlin, ours, chien, enfin ils sont juste trop mignons. Et qu'est-ce qu'ils sont doux à l'intérieur, c'est juste abusé. Ils étaient je crois à 5 euros les chaussons. Donc ça valait plutôt le coup. Et en fait quand on rentre du jardin, qu'on rentre en fait pour rentrer chez nous, on adore c'est se déchausser tout simplement, parce que les chaussures évidemment ça fait des traces, et du coup on adore mettre les chaussons, voilà. Bref, c'était l'histoire du jour. Alors ensuite il s'est pris des tongs, donc il s'est pris ces tongs-ci. Ce qui est chiant chez Primark, c'est les tailles partent quand même super vite. J'ai pris cette paire de tongs, franchement rien de très original, c'est juste des petits palmiers, on dirait un peu Miami sur les tongs quoi. Mais c'est juste en fait pour aller sur la terrasse et dans le jardin, voilà, ils étaient à 2 euros les tongs, et moi il y en avait des ananas et flamants roses. J'ai hésité à les prendre, finalement je regrette un peu, puisque elles étaient seulement à 2 euros, mais il n'y avait plus ma taille en fait, il n'y avait que du M et du L, et moi il me fallait du S. Et je crois que je vais quand même prendre les M, parce que franchement juste pour aller dans le jardin ou à la plage c'est vraiment pas gênant. Donc je crois que je retournerai pour me les acheter. Il s'est pris le petit gourmand, des petits bonbons, mais ça c'est toute ma vie, c'est toute mon enfance, c'est les pèzes. Et si vous aussi vous aimez les pèzes à la fraise mais poussant l'air quoi, moi c'était mes préférés, et je détestais les citrons et les oranges, je crois que vous êtes toutes comme moi. Et ça c'était à 1,50€ seulement. Alors ensuite il s'est pris ce petit t-shirt à 6€, donc un petit t-shirt bleu tout simple comme ça. Voilà, c'est vraiment pas cher, avec une petite poche ici, donc 6€. Il s'est pris celui-ci, donc lui il est trop beau avec les motifs tropicaux, il est vraiment super sympa. Trop joli, pareil, il était seulement à 6€. Celui-ci, alors celui-là quand je l'ai vu, je dis mais celui-là il te le faut trop, il est trop beau, vous allez comprendre pourquoi. C'est des cactus et moi c'est team cactus quoi. Regardez-moi ça comme il est trop beau avec les petits motifs cactus, de toutes les couleurs comme ça, donc franchement j'adore, il est trop beau. Et pareil 6€ le t-shirt, sachant que chez Zara c'est 20€ le t-shirt pour les mecs, c'est juste hors de prix. Donc là il a fait des super trouvailles, hein. Je suis toujours en compagnie de Pacha ici et petit Moumoun ici, hein. Toujours présent mes petits bébés. Du coup on va passer pour moi cette fois-ci, au moins en même temps ben, je... mon téléphone. Du coup en même temps ben, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi. Je voulais prendre la bouée flamant rose. Quand j'y suis allée il y a 3-4 jours, elle était à 12€, il y en avait 3. J'ai dit non, je reviendrai l'acheter, c'est pas raisonnable, nanana, tu en trouveras peut-être d'autres. Mais à ce prix là,
non. Et quand j'y suis retournée évidemment hier, il n'y en avait plus. Donc voilà, dégoûtée, j'aurais dû l'acheter en premier. Je sais que à mon avis ça va être très très dur de la retrouver. Donc en tout cas j'ai trouvé ce magnifique body couleur bordeaux comme ça, avec des lacets et une tête de mort en fait dessus avec des fleurs. Je l'ai trouvé juste absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, par contre il était un peu cher, mais franchement j'ai trop craqué. Il était à 10 euros, et par contre je l'ai eu en taille 40, je voulais du 38. Malheureusement il n'y en avait plus, donc il est un poil grand. Mais franchement pour l'été ça passe vraiment partout. C'est juste trop beau, moi j'adore les bodys. Et il y a également celui-ci qui m'a coûté cher, franchement. Pour Primark, c'était pas donné, mais ils sont quand même super sympas. Donc c'est le noir comme ça. Pareil avec des motifs un peu avec des fleurs et tout. Et en fait vous avez de la dentelle au bout. J'ai réussi à le trouver en taille 36 parce que les vêtements de taille très très grand en fait chez Primark. Ensuite j'ai pris alors cette robe avec un maillot. Donc pareil c'est des motifs tropicaux. Donc je sais pas si vous la verrez en fait super bien. C'est juste ultra ultra ample. Et ça juste pour aller à la plage avec un maillot de bain, j'ai juste adoré. Et elle était, devinez à combien elle était, 5 euros. Donc ça va être, je pense, ma robe de cet été. Mais vraiment quoi. Et enfin j'ai craqué pour deux petits hauts. Donc tout d'abord c'est des petits crop tops pour faire le sport ou pour mettre avec un short ou mes salopettes avec un short. Donc tout d'abord ce petit haut crop top avec deux ananas dessus. J'ai adoré la couleur un peu vert d'eau, et les ananas comme ça jaunes et tout, ils sont trop beaux. Ils étaient à 4 euros ceux-là. Évidemment j'ai pas pu m'en empêcher de prendre celui-là avec les flamants roses. Si vous me connaissez, c'est toute ma passion, c'est toute ma vie, les flamants roses, c'est moi. Et enfin j'ai craqué, je l'ai même pas essayé sur mon téléphone, il faut absolument que je l'essaye. J'ai craqué pour cette coque, enfin depuis le temps je cherchais une coque avec les oreilles de Mickey Disney comme ça, avec plein de strass en fait sur les oreilles. Je l'ai trouvée, en plus ce que j'aime c'est qu'elle est en silicone. Donc voilà, par contre c'était pour iPhone 6, et normalement les iPhone 6 et iPhone 6S, normalement c'est les mêmes coques, donc je vais essayer. Elle était seulement à 3 euros, donc voilà. J'ai pas pu m'en empêcher depuis le temps que je la cherchais, il fallait absolument que je l'achète. Donc j'essaie tout de suite et je vous montre ce que ça rend. C'est bon, je suis trop contente, on est sauvés puisque c'est la bonne coque. Regardez, donc c'est bien ça en fait, les iPhone 6 et 6S, vous pouvez prendre les mêmes coques. Donc voilà, en fait elle est transparente derrière avec les petites oreilles Mickey, donc en strass et derrière et devant. Donc voilà, je suis trop contente en fait depuis le temps. Et en plus en blanche comme ça et transparente, je suis trop belle. J'en voulais pas une rose et tout, vraiment qu'on puisse voir ma coque derrière. Donc franchement pour 3 euros chez Primark, ils font des coques de fouilles, il y en avait aussi des coques cactus et tout, mais je les ai pas prises puisque vous verrez dans une prochaine vidéo que j'ai craqué sur quelques coques sur des sites que je m'attendais pas du tout qu'ils allaient faire en fait, tout simplement des coques. Donc restez à l'affût si vous voulez voir ça. En attendant je vais monter ce vlog, et aujourd'hui je vous apprête à filmer une autre vidéo pour mon meet-up sur Toulouse, pour vous expliquer tout ça parce que ça approche très très rapidement. J'ai des invitations à vous faire gagner, et en plus de ça, il faut que je vous affiche mon programme avec les heures à laquelle je serai dans les petits stands en fait, voilà, pour que vous puissiez venir me voir et prendre des photos avec moi et mes copines. Voilà, sur ce je vous fais des bisous, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.